Fait que c'est ça, elle cherchait des photos pour vendre à des places qui cherchent des photos sans licence ou tu payes pour la licence. Donc elle essaie de faire une base de données des photos, une archive des photos ou quoi. Donc s'il y a des gens qui ont besoin d'une coupe, c'est ça. Mais juste avant la séance de photos, j'avais fait presque rasé la tête, mais tu sais, avec une ligne droite. Tu sais, à l'époque, c'était pas très en mode pour les blancs d'avoir des cheveux comme avec un line-up ici, là. C'était la première fois que je tentais ça. Puis là, il a fallu que je l'enlève ça pour la séance de photos. Ça faisait pas bien sur les photos. Tu sais, des fois, quand quelque chose qui est bon en 3D est pas bon dans les photos. Mais c'était comme, j'avais presque plus de cheveux, parce que quand tu fais le line-up, il y a des cheveux qui sont juste un millimètre de longueur. Donc, si tu pousses en arrière, en haut, c'est un peu difficile. Mais... La madame, la fille, a choisi moi puis la même fille encore, en pensant que j'avais les cheveux longs. Puis elle dit, qu'est-ce que t'as fait avec tes cheveux? Je les ai coupés. T'es très déçu. Mais, je m'en vais vers la rue Ball. Ou dans l'autobus, il dit Ball. C'est Ball, comme un ballon. Mais, je connais mon chemin, j'ai déjà pris ça. Puis là, il va falloir que je check en Google Maps avant pour aller plus loin. Mais c'est ça. Donc, j'ai du temps à en parler. C'était mon événement. Elle, la photographe, elle connaissait un avocat d'immigration qui vient de Montréal. Elle m'a mis en contact avec lui. Moi, j'ai voulu passer à elle depuis longtemps. Mais... j'ai voulu passer, tu sais, le gars que j'ai rencontré au sauna, que je connais, il habite à Albany, New York. Puis la deuxième fois qu'on s'est vu, j'ai dit que, gars, je veux créer mon camp, j'ai la misère comme entraîneur, même comme mannequin. Je me suis dit, je veux la mentalité américaine, puis je veux développer comme entraîneur, tu sais, on dirait que c'est en arrière du temps et... je veux passer tout droit, je veux foncer avec la pensée américaine, de la rêve américaine, de... vous comprenez? Donc lui a dit, mon entraîneur a un studio, il cherche un entraîneur, puis moi j'ai besoin d'une coloc. Je suis comme, ok. Donc les deux choses sont bien collées ensemble, lui qui cherchait quelqu'un, et le photographe qui m'a référé à un avocat. Au début, avant que je l'ai rencontré, le gars, on avait parlé de LA. Mais c'est difficile. C'est pas comme... Canada, c'est pas comme les États-Unis où... tu peux faire travailler autonome puis avoir tes papiers pour travailler. Ça marche pas. Ça marche juste au Canada. Il faut que tu sois parrainé par une compagnie, tout ça. Donc, c'est pour ça, ça prenait la personne, vous voyez?
je vais plus parler de tout ça parce que c'est ça. C'est à parler en privé pour tout ça. Mais bref, je suis allé là pour une période. Mais j'avais aussi, j'avais voulu. Où est-ce qu'on est rendu? Faut que tu check mon ball si tu parles là. Ok, la place est là. Je vais continuer tout droit là. Je prends une chance. Puis ça allait bien, c'était bon. Mais je peux dire que on est allé à Pride à New York. On s'est visité plusieurs fois avant que je suis allé là. Mais moi, tu sais, les relations, j'en connais pas. Puis je pense que le monde qui est chaleureux vers moi, je prends ça comme acquis qu'ils sont des bonnes personnes. C'est juste depuis quelques années que j'ai appris que c'est du monde. Ça, c'est une forme de narcissisme, le genre qui te dit n'importe quoi pour que tu sois avec eux, puis après ça, l'abus s'en vient. Un peu comme mon père d'enfant. Mais j'ai pas fait le lien entre ça. C'était un drapeau rouge, un red flag. C'était. Non, ok, moi, niveau spatial, orientation spatiale, ça marche pas. Juste pour être sûr. Ah, ok, je suis de mauvais. Ah! Mais quand même, je peux aller par là aussi parce que sur Google Maps, il y a des affaires bleues. Mais moi, je suis sur l'affaire grise sans savoir. Donc, pas pire. La journée est pas. La journée est pas fuckée. fait que c'est ça.